cherche du stretching, hein, du stretching différent en fait, à plusieurs chapitres. Là, un tout petit peu plus à gauche les épaules qu'elle bouge, et décontracte à droite parce qu'il est basculé. Une diagonale pour le récupérer droit et qui soit... Attention, fais-le revenir un peu plus, mais avec un peu plus de rebond. Quand tu l'as fait freiner, après accélère un peu les postérieurs. Oui, bien. C'est un joli trot là. Oui, en équilibre en te redressant, sortant un petit peu le ventre. Et un petit peu plus de contrôle d'épaule parce que tu n'as pas beaucoup de croisement. On refait une fois avec la jambe gauche. Voilà, bien. Oui, bien. Bien droite, contrôle les épaules et allez, plus de croisement. Décontracte à gauche en même temps, contrôle les épaules et allez. Allez, plus de jambes gauche. C'est là qu'il faut insister, c'est là que tu peux forcer un petit peu. Voilà, et y compris dans ton demi-cercle. Même parce que tu as senti, là, il résiste à ta jambe. Quitte à le plier un petit peu plus à gauche, hein, parce que ce que tu veux, c'est juste la soumission à ta jambe gauche. Oui, vraiment à la jambe, voilà, voilà, super ça. Dans les membres, hein, bien tout. Bien. Léger, 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 relax, léger, relax, léger, relax, léger dans le contact. Oui, oui, bien, super, et repart. Bien, très bien. C'est ça, hein. Parce que c'est tous des points de repère de sensation par rapport à l'équilibre au trou. Oui, réduit, réduit, réduit en lui faisant un peu rentrer les fesses. En allégeant le contact, oui, jambe droite, jambe droite, jambe droite, jambe droite, bien, et après tu repars un peu. Et maintenant, pour avoir le même résultat que l'autre côté, en cherchant à diminuer la vitesse. Puisque ton but, c'est après d'obtenir le passage, donc là il est un petit peu vite, bien. Et le contrôle de l'épaule gauche par ta jambe gauche. Voilà, le contrôle de l'épaule gauche, oui, oh, oh. Oh, 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 et repart, bien, et repart en le caressant, en disant que c'est très bien. Et à nouveau une fois, puis après on lui laisse une petite pause. Oui, le contrôle des postérieurs du rebond, de l'épaule par ta jambe gauche. Et oh, 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 c'est pas grave, là c'est la bosse, il a fait ce qu'il pouvait, bien, cherche à alléger un petit peu les épaules parce qu'elles sont mobiles et qui continue à rebondir sans prendre de vitesse. Et là on lui laisse une petite pause avant de reprendre un peu.